Eh bien, bien le bonjour, mes chers amis. Aujourd'hui, on est jeudi, il est 12h30. J'ai pas encore vlogué depuis ce matin parce que j'avais des choses à faire. Rien de bien important, mais j'avais quand même des choses à faire. Donc là, enfin, je peux vlogger tranquillement. Je viens de finir de monter mon vlog. Donc là, il est en train de faire le rendu. Et dans 5 minutes, je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. Vous allez encore avoir une petite vidéo de nous. Là, il y a mon cookéo qui vient de sonner parce que j'ai mis mes spaghettis à cuire. Je le mets au cookéo, c'est rapide, c'est hyper bon, c'est top. Et voilà, bon, j'ai eu ma maman tout à l'heure au téléphone. Elle prépare tranquillement ses vacances. Donc c'est cool, je suis contente pour eux en plus. Donc voilà, le temps de les embêter un petit peu. Ça m'a demandé du temps. Bon là, il y a Killy et Mathis qui jouent de l'autre côté. Comme d'hab. Et Neil qui est au dodo, mais je vais aller le chercher parce que sinon il va pas dormir tantôt. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon bah cette nuit ça a été la fête. Je me suis couchée à 9h et j'ai regardé Zone Interdite. Donc une petite émission sur la 6 tranquille. Et à un moment donné je me suis dit tiens je vais pouvoir dormir, j'ai la fatigue qui arrive. Mais oui bien sûr, impossible de m'endormir. Et à 11h mini moins de quart, pardon, il y a Neil qui s'est réveillé. Et impossible de le rendormir lui aussi. Donc bon, bah. Du coup, on s'est mis dans le canapé et tout jusqu'à 3h05 du matin. Oui, oui, vous avez bien entendu, 3h05 du matin. J'étais dingue. Et du coup, bah, moi, impossible de me rendormir. Donc bah, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Les enfants se sont levés à 10h moins de quart du coup ce matin. Je pense qu'ils ont un peu souffert quand même du fait que Mathis et Neil ne dorment pas. La personne qui fait le chat là, on va peut-être se détendre un petit peu. Ben, ça je m'en doutais. Ouf. Donc du coup voilà, la journée est très longue, très dure. Mais bon, faut rester motivé, il y a les enfants à s'occuper. Je peux pas dire, oh bah je vais faire une petite sieste. Non, non, si je dors, mes tâches ménagères comme la grosse banette là, ça va attendre et ça va monter et monter. Et oui. Donc du coup, voilà. Donc bon, on fera mieux dodo ce soir. Et pourtant, je me suis dit, tiens, ce soir, je vais manger léger. Pas de soda ou quoi. Il n'y a rien y fait quoi. Et en plus, j'avais faim à 2h30 du matin. Donc bon, je me suis retenue quand même, mais voilà quoi, ça chie dans les bulles. Bon, ce midi, ça va être rapide ce qu'on va manger, parce que, bah, comme je vous ai dit dans mon haul Leclerc, je me suis trompée de boîte de raviolis. Et c'était des raviolis qu'on devait manger ce midi. Donc c'est pas grave, je les garde pour Neil la semaine prochaine. Il en mangera, et puis voilà. Bon allez, je vais les mettre à table. Bon, bon coucou tout le monde. Bon, il est 2h moins 20, les enfants sont couchés. J'avais hâte qu'ils aillent au lit. Ne plus entendre crier, ne plus entendre aucun bruit, écoutez. C'est ce qu'on va entendre lundi, mesdames. Et oui, pour toutes les mamans qui sont à la maison, lundi, c'est l'école. Et ça, c'est ce qu'on va avoir toutes les après-midi, une fois que nos tout petits seront couchés. Et oui. Bon, fin de plaisanterie. J'ai du ménage à faire, mais j'ai aucune envie de le faire aujourd'hui. Je suis naze, 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 naze. Je sais pas si je peux le décrire autrement. Hop. J'avais des petites assiettes creuses à ranger. Franchement là, d'être aussi fatiguée, ça me fatigue. Enfin, on se reposera quand on sera mort, comme je dis assez souvent. Bon, là je suis en train de finir de débarrasser les tables. J'ai ma poubelle à sortir aussi. Franchement, je souhaite à personne ce problème de dormir là
et de mes devoirs enquillés la journée après avec les trois. Je le souhaite à personne. Là, franchement, je suis vraiment sur les rotules. J'aimerais bien pouvoir dormir normalement. Donc, ça m'énerve. Là, j'en ai un qui fait l'idiot. Il y a Nil qui veut pas dormir non plus. Et ça commence à être agaçant puisqu'il partage la chambre avec Matisse. Non mais dis donc, qui c'est qui fait les clowns là? Non mais dis donc Nil. Quand je vous dis que Nil fait l'idiot, mais je blague pas, il est à poil dans son lit. Mathis, le dodo de l'après-midi, il est où là? Il est pas là? Tu prends tes bibis, tu arrêtes de crier petit bibi. Vous avez remarqué que c'était un petit bébé qui voulait pas faire dodo? Bon, je vais devoir vous laisser, afin que je le rhabille là, très vite, avant qu'il me fasse des catastrophes dans son lit. Ça s'appelle une comédie de Nil. Et je peux vous dire que quand Nil se met à faire des comédies, et bon, on l'entend. Ah là, il s'y donne à cœur, je vois, aujourd'hui. Enfin, même depuis cette nuit, hein, parce que même cette nuit, il hurlait comme ça. Il s'est pas inquiété de savoir si son papa se levait de bonne heure ce matin. Donc là, franchement, c'est fatigant. Mais bon, là, Kevin a fini. Mais il ne va pas rentrer tout de suite, puisqu'il va avoir mes parents. Donc, je vais être un peu tranquille encore un peu. Donc là, je suis débarrassée vite fait. Et je vais aller quand même m'allonger un peu dans le canapé. Histoire de pouvoir tenir le coup du rush de ce soir, parce que bien évidemment ce soir il faut donner les douches, il faut leur donner les douches, il faut faire à manger. Et puis rien d'exceptionnel, parce qu'après de toute façon on sort pas aujourd'hui. Demain j'ai un problème. J'avais dit qu'il fallait que je monte à la CPM parce qu'il me faut un papier, qu'ils veulent pas m'envoyer tant que je pose pas l'autre machin. Sauf que j'ai un problème, Kevin a le coiffeur demain après-midi. Mais moi ce papier là il me le faut, donc ça va être la course demain. Et puis bah voilà quoi, hein. C'est de ma faute, j'avais qu'à faire plus attention. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, il me faut. Là, aujourd'hui, j'ai très mal au bras. J'ai l'impression qu'on est en train de me gratter les tendons, l'os en même temps, à la petite aiguille. Donc voilà, là, il faut que je fasse encore l'aspirateur. Et là, je vais sortir mon autre aspirateur parce que normalement, j'ai un Roventa et tout. Mais j'ai l'impression qu'il aspire plus. Mon filtre est propre et tout, mais je pense que vu que c'est un... Il y a des brosses et tout, et il doit y avoir trop de cheveux, du coup ça doit trop bloquer, enfin obstruer, je sais pas comment on dit là. Donc je pense que ça doit être à cause de ça. Donc il va falloir que je coupe tout, que je nettoie tout et tout. Parce que je suis quelqu'un qui perd énormément ses cheveux. Donc obligatoirement, mon aspirateur n'apprécie pas trop non plus. Hein. Donc on va sortir l'autre vite fait, ça passe un coup d'aspi.
Et puis voilà. Je suis essoufflée là. J'aime pas ça. Donc, bon, je fais de l'asthme, mais là, il n'y a pas de raison que j'en fasse. Je suis calme, mais je pense que la fatigue doit jouer dessus. De toute façon, là, je suis énervée. En plus, j'ai reçu un courrier tout à l'heure qui m'a bien mis en rogne là. Donc. Et le fait que Neil ne veut pas faire de dos, je pense que ça doit jouer aussi. Donc lui, il va râler. Hein. De toute façon, normalement, Mathis, ça va pas le gêner pour dormir. Et puis, Neil va s'endormir de fatigue parce que je vais pas céder à son petit caprice. Il a 1 an quand même. Hein. Il sait ce qu'il fait. Donc là, voilà, faut que je rappelle à Kevin qu'il fait ses jouets des enfants. Aussi parce que à son travail il a un comité et à Noël ils offrent des cadeaux aux enfants et tout, des super beaux cadeaux en plus. Et il faut qu'on les commande, mais on a ça depuis le mois de juillet quand même à la maison. Enfin juillet voire même juin parce que c'était son collègue qui était venu m'apporter son bouquin quand je travaillais encore. Et comme depuis que je travaille plus depuis le 11 juillet. Donc ça date quand même d'un petit peu qu'on l'ait à la maison. Donc il faut que j'y rappelle encore et on a des papiers à faire. Donc bon, on va faire tout ça. Hein. On a recommandé aussi à aller chercher. Mais de toute façon, je sais très bien c'est quoi. Donc je pense qu'on va même pas aller le chercher puisque j'ai reçu le même. Style la postière, elle sait que je suis... Enfin le facteur, elle sait que je suis mariée avec Kevin. Mais non, elle va pas nous donner le recommandé. Franchement, ici, pour ça, ils sont vraiment casse-pieds. Là où j'habitais avant, même si Kevin n'était pas là et tout, que le facteur, il savait, s'il n'y avait pas la voiture, c'est que Kevin n'était pas là, il me laissait le recommander. Que ici, c'est le même système, c'est toujours Kevin qui a autour la voiture. Quand il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas là. Mais ben non, la vieille, là, va pas nous laisser le recommander, quoi. C'est le pire, c'est qu'il est lui-même, quoi. Donc je sais très bien c'est quoi, et... Dans le pire des cas, c'est moi qui fais les papiers, donc c'est quand même moi qui va signer le truc. Donc c'est agaçant, c'est une perte de temps à chaque fois. Surtout que nous ici, la poste, elle est pas tout le temps ouverte. Saint-Aubin, elle est ouverte du lundi au samedi. Bon, avec des heures de... Des heures, hein. C'est pas le problème. Sauf qu'ici, ils sont pas ouverts le jeudi matin, je crois. Ils sont fermés un après-midi aussi. Enfin, c'est gros bordel ici. Donc, on n'avait pas pris ça en compte. Donc ouais, c'est galère. Je sens que mon repas il va pas passer aujourd'hui. Je suis pas. Ouais, je vous dis, je suis pas bien aujourd'hui. C'est même plutôt bizarre d'ailleurs que j'arrive encore à bouger comme je bouge. Mais Kevin, t'as rien, il disait au téléphone. Mais mets du son dans le téléphone, je t'entends pas. Mais oui, mais je suis fatiguée. Je suis vraiment sur les rotules. Et c'est très rare quand je suis sur les rotules comme ça. Limite là, ça fait 2 jours que... Enfin, c'était comme si je faisais la teuf pour être aussi fatiguée. Et pourtant, non, les fêtes sont finies. Donc voilà. Calme dans la résidence, c'est ce que j'adore ici. C'est calme et tout. J'ai pas de problème de chien qui aboie, d'enfants qui jouent quoi. Enfin bon, malgré que les enfants ont le droit de jouer et tout. Hein. Mais bon, bon allez les amis, je vous laisse. Faut que je retourne de l'autre côté, mais vous pouvez pas venir avec moi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, re-coucou les amis, là il est 3h24 je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, ouais, -10. Bon, j'attends toujours Kevin, mais c'est normal qu'il soit toujours pas rentré. Il est en vadrouille avec mon papa. Donc voilà, et moi là, je suis en plein nettoyage, rangement de mon entrée. Parce que là, c'est notre meuble à chaussures. Et j'avais mis l'ancien lit à Kili ici. Pour que Kevin le mette à la poubelle, sauf qu'il l'a toujours pas mis à la poubelle. Manque de temps et tout. Donc du coup le truc il a fini là-bas quoi, juste là, hein. Là où c'est blanc au fond,
Il ira le mettre à la poubelle bah, quand il aura le temps. Moi, j'ai besoin que mon entrée soit rangée, propre. Enfin voilà, donc du coup là j'ai fait du tri dans les chaussures. Normalement là c'est les chaussures à Kevin. Là c'est les chaussures à Kevin, mais là il y a mes chaussures de sécurité. Là c'est chez Mathis, là c'est chez Neil. Son petit chausson est dans la chambre, le coquin. Ça c'est chez Kili, ça c'est chez moi. Et là c'est des baskets à Kevin et des ballerines à moi qui doivent aller à la poubelle parce que j'ai une patate comme ça sur le côté. Et du coup j'ai déblayé ma poussette puisqu'on avait mis plein de trucs et tout, et les rideaux de la tonnelle aussi qui est là. Du coup on avait tout mis tout dessus. Et moi bah, là on dit la poussette à 4h j'en ai besoin. Donc du coup moi j'ai une poussette Lola. Lula, pardon, je dis des bêtises. Moi, les cafés, et j'avais le cosy quand les garçons étaient bébés. Mais je m'en suis débarrassée, je l'ai donné. Et c'est une poussette, franchement, que j'adore. Je l'avais pas payé cher, j'avais payé 207 € comparé en magasin ou à vos 600 € parce que j'avais été sur le site bébé usinage. Enfin, Kevin avait été sur le site, il l'avait trouvé, ce site-là. Et franchement... magasin directement à l'usine, ça vaut carrément le coup. Vous entendez Neil, c'est normal, il ne dort toujours pas et Mathis non plus. Donc je les laisse dans la chambre, tant pis pour eux. Et en même temps, il y a Kili qui s'est levé pour aller aux toilettes. Je reconnais le bruit de sa clenche. Donc du coup, ça joue. Il y a moins de chaussures parce que du coup, j'ai tout. Hop, ça sous ce sens-là, j'ai mis toutes les chaussures d'été. Claquettes et tout, ça je vous disais c'est les Timberland à Kevin là, ce qu'on voit là, c'est des anciennes qui se sert quand il fait des travaux dehors. Du coup on lui garde et puis il s'en sert pour bricoler, il n'y a pas de problème, je lui en veux pas, elles étaient mortes. Donc du coup voilà, donc là ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé, mine de malgré que là j'ai la grosse caisse de jouets des enfants. Ici, là, c'est la marquise qu'on a achetée cette semaine. Il faut qu'on attende que le temps se calme un peu, question pluie, puisque Kevin, faut qu'il mette ça, de la résine fixation. Mais il faut que ça, le mur soit sec, si c'est mouillé, bah, c'est mort. Et là, du coup, pareil, cette semaine, j'ai fait le tri des manteaux, parce qu'il y en avait de trop. Donc là, c'est chez Neil, le petit manteau qu'on a acheté à Okidi, là. Ça c'est chez moi, ce sont tous mes gilets et ma veste en cuir, mais que je pense que je vais me débarrasser parce que elle est vieille et abîmée. Ça c'est chez Mathis, là on est chez Kili et là chez Kevin. Donc comme je vous disais, les patères en fait, nous c'est ça qu'on a mis. Ce sont des ronds et fixés je crois avec des chevilles mollies. Je pense que Kevin a dû mettre ça comme ça. Normalement il met tout à chevilles mollies. Il se prend pas, au moins, enfin c'est pas qu'il se prend pas la tête, mais au moins on sait que ça tient bien. Donc voilà, donc on avait mis ça et on a mis ça aussi dans la salle de bain. Et pareil, ça tient très bien avec les serviettes. Donc voilà, bon là il faut qu'il vérifie celui-là Mathis parce que Mathis a eu tendance à faire l'idiot dessus. Donc il bouge, donc j'aimerais bien que ça soit réglé avant la rentrée. Comme ça, voilà. Et j'aime bien recommencer une année avec une maison propre, rangée, tout ce qu'on veut quoi. Donc là je vais certainement laver ma porte d'entrée aussi. Je me tâte en fait parce que bah, elle est pas sale, hein. Mais avec la cuisson et tout ça, il y a toujours un petit dépôt et moi elle est blanc laquée déjà de base. Donc voilà, donc je me tâte. Donc là je vais ranger les jouets Je parle de jouets parce que Kili est planqué derrière devant moi là, avec ses bébés dans la main et je la vois. Donc ça m'a perturbée. Je vais ranger les chaussures de cette année du coup. Non, j'ai que 3 paires. Tu prends ton cahier de devoir de vacances et puis tu fais 2 pages. D'accord. Let's go. Et après on pourra jouer au Uno. Le Uno, on l'a pas, on l'a prêté à mamie. Le gros Rummikub. Mamie aussi. Bah oui, on a prêté des jouets à ma mère. Donc là je laisse la porte d'entrée ouverte pour que ça prenne l'air. Il fait bon donc ça va. Et là j'ai rangé un peu dehors, il y avait des trucs qui traînaient et tout, j'ai tout mis dans le cabanon puisque pareil là dans ma maison j'avais un escabeau et tout, j'ai tout mis dans le cabanon. Et oui, notre piscine tire la tronche, elle est crevée. Kevin y a mis un coup de rotofile accidentellement, hein. Mais bon, de toute façon vu l'état de l'eau,
On va nettoyer tout ça, donc ça c'est notre petite terrasse et tout. Bon, je fais attention parce qu'il y a la voiture, il y a la voiture de ma voisine, je ne voudrais pas trop la montrer. Il y a notre barbecue qui n'a pas trop marché. Bah, cet été, on n'a pas eu trop de temps d'en faire non plus. Donc je vais voir, normalement la semaine prochaine il fait beau. C'est d'en faire un quand même avec Kevin le soir quand il est rentré du travail. Parce que bah, c'est toujours agréable d'avoir un petit barbecue et tout. Papa, il est avec papy à Décathlon. Mais il va arriver là normalement. Et puis, il faut que je fasse mes ongles aussi. Parce que là, bon, celui-là, il est parti. Celui-là, il s'est décollé. Et celui-là, désolé du geste. C'est pareil, il se part en cacahuète. Le gel, il ne colle plus. Mais c'est du noir, donc ça fait très, 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 très sale. Donc je vais poncer tout ça après tranquillement. Mais là, je vais finir au moins mon entrée. Passer un bon coup d'aspirateur avec mon petit coco là. Celui-là, il aspire quand même bien, mais j'ai voulu un Roventa. Et là, pareil, il faut que je nettoie la brosse parce que j'ai l'impression qu'il n'aspire plus du tout. Donc, parce qu'il brasse l'air, machin, mais les cheveux, ça s'enroule autour de la brosse et tout. Donc, ça fait dégoûtant. Donc, je pense qu'il. Aïe! Je pense que ça doit gêner. Oui, mademoiselle. J'ai fouillé partout, mon papier et Bah tu regardes sur le bureau, c'est peut-être sur le bureau. Hein. Qui est Baptiste? Non, le nôtre, celui-là, papa et maman, le bureau. Waouh. Et j'ai ma table à repasser aussi à ranger, mais bon, déjà ça c'est fait, je suis contente. Ça fait déjà plus accueillant que là, c'est encore fouillis et tout, et j'aime pas ça, j'aime bien quand ma maison est rangée, et le petit détail, c'est tel que le couloir était en bordel. Pareil, le loupalage, je l'ai enlevé. Ah, il faut que je pense à mettre ces petits chaussons-là dans le sac à dos à Kili. C'est des chaussons de danse, là. Il en faut pour l'école. Donc, je les ai retrouvés dans la poussette, mais bien cachés. Donc, moi, lundi, à partir de l'école sans. Donc, ça m'aurait pas plu. Et j'ai les papiers d'assurance aussi à faire. Enfin, c'est fait, mais il faut que je programme tout. Bah, t'en prends dans le pot, Kili. T'es grande, t'es vaccinée, j'allais dire. Oui, t'es vaccinée, mais. Mais bon, voilà, bon, la maison est à peu près bien rangée, ça va. Les mini tornades sont pas encore trop sorties. Bon, là, sur le canapé, c'est mes rideaux de ma tonnelle qui étaient sur ma poussette. Du coup, je les ai posés là. Le temps de voir avec Kevin comment qu'on les replie, si... enfin, comment qu'on fait. Parce que clairement, il faut tout remettre en place. Et j'ai une guêpe dans la maison. Sur la table là-bas. Donc, du coup, Oui, j'aime voilà. bien tuer les guêpes. Non, tu peux une guêpe parce qu'une guêpe ça pique. J'ai tué une Non, mais guêpe non, avec tu de tues la pas la vitamine guêpe. chez Mamie Et il faut que je fasse aussi mes pommes de terre pour mon gratin dauphinois. Et que je lave mes sols. Mais mes sols, clairement, je les laverai pas aujourd'hui. Parce que Kevin, demain après-midi, elle est coiffeur à domicile. Et je vais avoir des cheveux partout, donc c'est mort. Donc, du coup, voilà. Et c'est bizarre, je tourne les yeux. Moi, je vois la gomme et le crayon. Ah, J'étais pas dans ma chambre. j'ai mon téléphone qui vient de sonner. Ça doit être papa. Mais ça doit être mon cher et tendre. Message. Oui, j'ai réussi. C'est Kevin qui me pose une question, mais quand je vais lui dire, il va fumer. Enfin, c'est la routine, c'est la banque de merde. Ah, c'est la vie. Il m'exaspère, mais j'ai hâte qu'on change parce que franchement, chaque année, ils nous font le même coup. Donc voilà quoi. Ça me gave. Bon, regardez-moi cette belle vue. Vous avez vu, je vous fais profiter de pas mal de choses hein, quand même. Du calme, de la beauté, de la ville où j'habite. Et là, c'est une pépinière juste là. Et là, normalement, il y a des moutons, des ânes et tout. Et là, aujourd'hui, ils sont pas de sortie. Donc ouais, on a bien fait de venir vivre à la campagne. Bon, ça m'embête pour certaines choses, mais c'est pas grave, c'est la vie. On peut pas se plaindre. Donc voilà, bon allez les amis, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Et oui, comme vous le voyez, on est sur la route. On remonte à la maison là. Hein? On a été à Orange.
Finalement, je me suis dit Kevin a un problème de téléphone. Donc logiquement, c'est réglé. Je dis bien logiquement. On verra bien. Hein. On a été à Decathlon aussi, acheter un nouveau sac à dos. J'ai fait ça en rentrée des classes aussi. Bah, la rentrée des classes des 6 ans, parfait. 7 ans. Ouais. Et 7 ans, plus il avait le sac. C'est ça. On a acheté un petit sac à dos, c'est rapide. Et puis on a cherché la salade et du pain parce que Kevin veut qu'il fasse un petit mixte pour demain midi. Parce que maintenant il mange au boulot. Je veux plus qu'il mange à la maison. Là je capte tout catché. T'as l'air, je captais pas. Bah non, bah c'est facile. On verra bien. De toute façon, le téléphone est encore garanti, donc c'est pas grave. Donc voilà, bon là on va rentrer. On va rentrer, on va donner la douche aux enfants et puis on va manger tranquillement ce qui est prévu. Bon allez, je vous laisse puisqu'on est sur l'autoroute et aujourd'hui tout le monde grille, les priorités, ça ne laisse pas passer, donc c'est la merde, donc on fait gaffe. Allez, à tout à l'heure. Bon, recoucou tout le monde, du coup il est 20h10, 21h10 pardon. Je me retrouve toute seule dans le noir parce que Kevin et les enfants sont couchés. Kevin se lève à 3h30 quand même, donc il perd pas trop de temps pour aller au lit, mais il regarde la télé de l'autre côté, c'est pas le problème. Les enfants sont dodo et j'espère que cette nuit il va pas se réveiller. Je parle pas trop fort parce que la chambre est juste derrière. Donc, je voudrais pas que ça dérange Kevin. Bon, du coup on a mangé, les enfants ils ont mangé croque monsieur maison. Et moi, Kevin, on a mangé américain. C'était des gros sandwichs que je fais moi-même et tout, avec steak haché, cheddar, oignon et tout. On a mangé ça et puis avec un petit dessert. Comme vous l'avez pu voir sur Instagram, si vous me suivez, j'ai mis une petite photo et tout. C'est des desserts, franchement, juste une tuerie quoi. Donc j'adore cela. J'ai enlevé mon casque parce qu'il me fait un peu mal. Et puis voilà, bon là, bah, le sommeil n'est pas encore là, hein, clairement. Depuis samedi, je dors pas beaucoup, beaucoup. Et là, cette nuit, j'ai carrément pas dormi, donc. Du coup, je pense que ça, cette nuit, ça va recommencer. Donc bon, là, je suis dans ma salle, donc c'est pas grave. J'ai le canapé à côté, j'ai mon petit plaid et tout. Si ça m'arrive, je me lève au moins, comme ça, je dérange pas Kevin. J'ai peut-être pas son sommeil. Voilà, bon, demain il y a la coiffeuse qui vient pour Kevin. Et après, il faut que je monte à Évreux. Il faut que j'aille à la sécurité sociale. J'espère qu'il ne ferme pas de bonheur. Sinon, au pire, on ira mardi avec Kevin. Comme il faut mardi que Mathis n'a pas d'école. Parce qu'ils font les demi-journées et tout. Donc, mardi, il n'a pas d'école. Il reprendrait que jeudi, à la limite. Je vais faire ça avec Kevin. Je l'inviterai que demain il court. Je lui en parlerai demain de toute façon ou tout à l'heure quand j'irai me coucher. Si je peux aller me coucher. Enfin voilà, mon coude me fait toujours aussi mal. Je commence un peu à m'inquiéter quand même. Je me demande si j'ai pas des problèmes autres que ma tendinite. Je devrais répondre depuis le temps quand même à mon bras et pour l'instant c'est pas le cas. Donc je sais pas, ça commence à m'inquiéter sérieusement. J'ai pas envie de rester handicapée avec mon bras. Enfin voilà, comme mon bras j'en ai besoin. Donc... Enfin bon voilà. Là ce soir, je sais pas ce que je vais regarder. Il n'y a pas grand chose à part Alice Nevers. Donc, je sais pas du tout. Voilà, pour l'instant j'ai fait mon vlog. Il y aura du changement, un nouveau générique. On m'a demandé de mettre un nouveau générique. Apparemment NCIS n'a pas remporté tous les suffrages. Donc bon, je vais changer. J'en ai mis un assez drôle. Enfin c'est drôle. Une petite musique sympa, vous allez vite reconnaître quand vous allez démarrer cette vidéo. Et puis voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais finir de travailler sur l'ordi discrètement sans faire trop de bruit pour pas déranger tout le monde.
Et n'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube. Comme ça, dès que je mettrai la moindre vidéo, si un jour je fais un live, enfin n'importe quoi de tout ce que je fais sur YouTube, au moins vous serez prévenus. Et marquez un j'aime, ou si même si vous n'aimez pas la vidéo, marquez que vous n'aimez pas. Au moins je sais que vous êtes passé par là. C'est pas... Je le prendrai pas mal, mais au contraire, au moins c'est constructif. Au moins je sais si mes vidéos plaisent ou pas. Sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Il y a des moments, je fais des petites vidéos avec les enfants et tout. Le nom, c'est les mini-monstres. Et sur Facebook. Enfin, sur Facebook, c'est pareil, hein, j'y suis. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est la famille Vanier. Oui, c'est pas le même nom. Du coup, voilà. Oh là là. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir dormir. Ronfler. Oh, j'en rêve. Je vais peut-être me faire une tisane. J'aime pas. J'ai la lèvre toute bizarre. Bon, je regarderai dans ma salle de bain. Là, je suis démaquillée. J'ai déjà pris ma douche avant de manger. Donc, du coup, voilà, je suis au naturel sur mon visage. Comme tous les matins, de toute façon. Mais voilà. Bon, là, je suis en train de télécharger de la musique pour mon générique. Donc, du coup, ça y est, c'est prêt. Il faut que j'arrive à faire tout ça. Du coup, il y aura des nouvelles vidéos, photos. Je dis des bêtises en plus. Non, il y aura des nouvelles vidéos, un nouveau générique. Je peux pas faire comme je veux. Ça m'énerve quand l'ordinateur veut pas m'écouter. C'est une perte de temps pour moi. En même temps, si je fais pas de la bonne façon, c'est là que je me prends. Ça va pas le faire. Donc ouais, demain, j'ai du linge à plier, parce que du coup, j'ai pas plié ma grosse bannette. Comme je devais. Si j'avais pas ça à bonne touche, ça va pas le faire. J'ai pas plié ma grosse bannette que je devais faire tantôt. J'ai abandonné. Bon, après c'est pas grave, c'est pas non plus grave. Mais j'aime bien que tout soit. Que tout soit fait et tout. Bon, je le ferai demain matin ou alors cette nuit si je dors pas. Telle est la question. Du coup, Kevin a été la déchetterie quand même aujourd'hui. Il a été mettre le lit que j'avais mis dehors. Il l'a mis à la poubelle tout à l'heure quand il est revenu Décathlon avec mon père. Comme ça, ça traîne pas, c'est fait. C'est fait quoi. J'ai une belle entrée toute bien rangée et tout. Et demain, il y a un coffre à jouer qui arrive pour les enfants. Parce que là c'est dans une caisse et tout, mais le problème c'est que j'ai déjà fait le tri et il y a toujours autant de jouets. Donc ça m'agace, j'aime pas, ça fait pas propre. Donc je vais faire ça tranquillement. Et puis voilà, bon sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vais finir de travailler tranquillement. Demain il y aura certainement un vlog. Donc pour vous ça sera samedi matin hein. Et samedi matin je conduis et il faut que je reprenne des heures de conduite. Donc il faut jouer tout ça avec Kevin demain. Donc voilà, bon sur ce les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux hein. J'ai mon portable tout le temps avec moi, je suis tout le temps connectée. Même si vous voulez m'envoyer des messages et tout, par contre, pas de message d'amour ou quoi. Hein. Je suis mariée, hein, l'oubliez pas. Et j'aime mon chéri. Donc, du coup, voilà, je vous dis ça parce que j'ai déjà reçu des messages bizarres.
Et du coup, voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.